What do you mean? Oh, oh, oh. When you nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean? Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind. Alors quand je rentre chez moi, il est environ 6-7 heures, ça dépend des jours. Et la première à m'accueillir, c'est ma petite tigretta. Dès que je me suis débarrassée de mes affaires, je prends mon téléphone et j'allume ma musique, ce qui me permet vraiment de rester éveillée, sinon je m'endormirais dans le canapé tous les soirs. Alors là, honnêtement, j'ai vraiment la flemme de tout me démaquiller. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai juste enlevé mon rouge à lèvres très très tenace avec mon bouquet floral et démaquillant de Melvita, qui était fourni dans la trousse Easy Parapharmacie, constitué de plein de produits bio, donc ce qui est cool. Dès que vous avez votre coton imbibé de votre produit, que ce soit du lait ou de la lotion micellaire, imbibez vos lèvres, comme ça le rouge à lèvres partira un petit peu plus facilement. Frotouillé pendant 10 minutes parce que voilà, c'est rouge sans transfert quoi, c'est le truc le plus tenace du monde. Je viens hydrater avec mon baume que j'adore de chez The Body Shop. Et ensuite, bah, tous les soirs c'est comme ça, ça part en concert chez moi. Dans mon ancienne routine, vous avez vu que je m'appliquais bien à ranger toutes mes affaires, mais là, je suis devenue vraiment une grosse flemmarde. Ce qui fait que je prends mes affaires et je les pose tous sur ma chaise, jusqu'à que ma mère le soir vienne me dire de les ranger et m'écrit dessus. Maintenant, il est temps de tout enlever. Enfin, ma partie préférée de la journée. Je peux vous assurer que la chose primordiale que toutes les filles attendent toute la journée pour faire, c'est se débarrasser de la chose la plus relou qui soit au monde, notre petite amie les soutiens-gorge. Et le concert continue. Ensuite, évidemment, je peux pas finir ma journée en automne sans allumer une petite bougie. Je prends mon téléphone et hop, goûter, j'ai faim. Je suis une inconditionnelle du thé, c'est ma passion. C'est voilà, c'est le thé, c'est la vie. Donc je prends un thé à la verveine avec soit une barre, soit des raisins, ça dépendra si j'ai faim pour tout finir. Et je viens m'installer tranquillement dans mon petit salon. Ah, ça fait du bien de finir la journée. J'en profite pour snapper, parce que Snapchat c'est la vie aussi. Tout est la vie, tu vois, ici. Et lire tous vos commentaires, et si vous me posez des questions, j'essaie d'y répondre au mieux que je peux. I learned
les vacances et que j'ai vraiment du temps à tuer et me reposer un petit peu, profiter de la vie un peu relax, t'as vu? Je passe du bon petit temps avec ma tigrette jusqu'à qu'elle en ait marre et qu'elle commence à m'attaquer. Voilà, c'est ma manière de jouer. Maintenant, je m'occupe un petit peu de vous. Vous êtes mes petits chatons à moi aussi. Et donc, j'essaie de répondre à vos tweets et à vos snaps aussi. Vers 8h30, je commence à préparer le dîner parce qu'en vacances, c'est moi qui prépare. Aujourd'hui, je vais faire sauter des courgettes parce que c'est trop bon l'omelette aux courgettes. Et c'est super facile, vous avez juste à mélanger de l'huile et de l'ail. Ajoutez des herbes de Provence, du persil, du paprika, du sel et du poivre. Et quand ça sera cuit, vous avez juste à rajouter un petit œuf et voilà, vous avez votre omelette ou courgette. Même si on vit que ma mère et moi, on a toujours une troisième invitée à table, n'est-ce pas? Cette tigrette, elle sait toujours de grappiller un petit peu de viande par là, un petit peu de thon par-ci, enfin... Mais si vous l'ignorez pendant genre un bon quart d'heure, elle s'en va. Dîner terminé et vaisselle faite, place au moment câlinou avec ma petite mamounette. Je reste toujours sur ses pattes, genre littéralement parlant. Et elle est toujours là à me dire ah oh, va-t'en, je suis non, je m'en fous, laisse-moi là. Généralement ça dure pas super longtemps parce que voilà, elle tient pas longtemps. Elle dort très très vite ma petite mamounette. Donc de ravaler un petit peu ma façade, n'est-ce pas? Parce qu'avec le stress, la pollution, la fatigue et tout, ma peau est juste hideuse en ce moment. Donc il faut que j'y remédie à ça. Étape primordiale avant de commencer tout, c'est le messy bun. In the city where we both live, pink trees rain and streets called by name. Donc je ramène mon lait démaquillant et je démaquille tout tout tout. Running with the night light, hearts burning for the first time. Reality is closer, but we're not getting older. Dawn and death the castle, paints you and me yellow, and now we'll soon be over. We're so notre peau est démaquillée, il est temps de la nettoyer. Donc j'utilise encore mon Avène, je sais. Vous le voyez à toutes les routines, j'ai compris. Faut absolument que je vous montre ces tissus en papier. Bon, ils existent chez Sephora, mais ceux-ci sont de la marque MG Care et c'est une marque coréenne et c'est trop bien. Et c'est en fait un tissu prédécoupé rempli de sérum que vous appliquez sur votre peau et vous laissez poser pendant plusieurs minutes. Bon, ok, vous ressemblez au meurtrier de Massacre à la tronçonneuse, mais au moins il faut souffrir pour être belle. Il est temps de le faire poser 15 à 20 minutes et hop, à la chambre. Donc j'allume Spotify, je mets la musique relaxante et je dodo. Change. You want me to change. Lost in the land of confusion.
évidemment, je peux pas rester toute la nuit comme ça. Donc j'ai mis un petit réveil. Running with the night light, hearts burning for the first time. Reality is closer, but we're not getting older. Don't attempt the castle. Il faut absolument pas rincer votre peau après l'avoir décollé, il faut juste masser jusqu'à que tout le sérum s'imprègne bien dans votre peau. Vous rayonnez. Ensuite, je mets de l'eau florale de géranium qui pue sa maman, mais qui est une perfectrice de peau, donc ça va juste rendre de l'éclat à votre peau et ça va la rendre plus jolie. Donc ensuite je masse encore et voilà, ma peau est clean. Je sais pas vraiment si je vais prendre un bain ou pas. Bon, si on est là pour se détoxifier, autant y aller franchement. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez déjà ce produit qui est le masque charbon purifiant de chez The Body Shop. Vous ressemblez à une momie plâtrée, après vous sentez trop bien. Petit bain et m'être rhabillée, je viens appliquer de l'huile sur mes cheveux et je laisse poser toute la nuit pour demain matin faire mon shampoing. Girl. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit like parce que tu vois, ça fait toujours plaisir. Et si tu ne fais pas encore partie de la Dolier Family, clique sur le bouton subscribe ou s'abonner ou là. Tu sais quoi, je vais le mettre là, comme ça je vais bien te guider. Voilà. Et si tu veux aller voir mes dernières vidéos, clique sur le petit i là, là, genre normalement il est là. Et tu verras mon ancienne vidéo, ou genre les plus populaires. Dans ma barre d'infos. Enfin voilà, tout est fait pour que tu te sentes bien ici parmi notre famille. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao. Open your head. Take a glass. Don't be scared. Alors, me demandez pas pourquoi j'ai mis un bonnet chez moi, pour entrer dans la sphère automnale. Voilà.